Faudrait que je récupère ah, je vois des abeilles là-haut. Faudrait que je récupère de la terre aussi. Dirt, oh yeah. Oh, deux abeilles. Non, je sais pas. Ah, j'ai trouvé une glacière, ok. Ah bah... Elles sont où? Parfait, la petite, petite glacière. Ouais, mais elles descendent, je crois. Enfin, elles se promènent en tout cas. Elles sont modélisées. Je suis tout en haut. Elles ont une drôle de gueule, hein, je trouve, les abeilles. Elles sont un peu phosphorescentes, hein. C'est des lucioles, hein. T'as vu lucioles, dans la nuit, ouais. Dans la nuit on les a bien vues. De boulot aussi. Ah, elles sont là, ouais, je les vois. Attrapez les abeilles. Putain, par contre, elles sont un peu hautes là. J'ai pas pied, moi. Ouais, moi non plus. Mais si on se fait tous la courte échelle, y'a moyen qu'à un moment on y arrive. J'ai eu. Attends, moi là où je suis, je les vois pas là, enfin je peux pas. T'as vraiment eu un truc? Ah ouais, j'ai sauté sur le rocher et j'ai sauté et attaqué. Attends, parce que nous, il y en a une ici. Il y en a une juste au-dessus de moi là. Putain, mais c'est pas possible. On se fait la courte ou quoi? Attends, elles sont où? Je sais pas. Voilà, là. Oui! Voilà, tu l'as eu. Yes. Ok, du coup, ça m'en fait... 9. J'en ai... Ah, bon, on a de quoi faire une ruche. J'en ai 5, tiens. J'en ai 5 aussi. Oula, oula. Attends, je te passe ça. Tu veux les... Ouais, je te passe ça aussi. C'est bon, 19. Oh. Ainsi que ça. Hein? C'est quoi ça? Une tête d'ours? Mais non, j'en pas. Il me jette des trucs, je suis en mode, qu'est-ce que c'est? Bon, il faut qu'on trouve la chèvre aussi, quoi. Il y a encore un ours là-haut. Un ours en bas. Succès déverrouillé. Intermediate Bear Hunter. J'ai buté un ours. Oui. Yes. Je l'ai entendu agoniser. Sale bête. Oh, c'est bête. J'entends trop le... Oh. On l'a déjà croisé au moins la chèvre. Oui, oui, on l'a croisé deux fois. C'est juste qu'à ce moment-là, on n'avait pas les filets, donc... on l'a laissé filer. Et... Alors... Je vais crafter... Ouais, je sais. Très bonne blague, chef. Ouais, bah merci, ça me touche. Par contre, je sais pas si elle est dangereuse ou pas, la... La chèvre? Non. la ruche, est-ce que si je la mets quelque part, elle va... Est-ce qu'il faut foutre... Oh, bah, elle nous attaque pas, les chèvres. Les chèvres volantes, elles nous attaquent pas, hein. Elles attaquent jamais, les chèvres, d'ailleurs. Les chèvres jaunes, là. Les chèvres miel, elles nous attaquent pas. Les miel pops, là, les abeilles. Ouais, elles sont gentilles. Les chevaux. C'est les mailles à l'abeille, d'habitude, ouais. Elles sont gentilles. Ça y est, j'ai fait une ruche, putain. Ok, alors moi, l'idée, c'est que je la mettrais là. Là-haut? Non, près des... Près des trucs à carburant. Ouais, bah ici, c'est bien, non? Juste ouais, devant la voile. Là, du coup. Oh. Allez, venez, les abeilles. Oh, attends, mais je te jure. Ils ont rien l'air de demander. J'aurais dit des fleurs, moi. Non. Bah ouais, je sais pas. Est-ce qu'il faut faire des plantations à côté et mettre des fleurs? Est-ce que c'est ça le truc pour qu'elles pollinisent? Regarde, il y a des symboles de fleurs. Moi, je suis sûr qu'en fait, sur les côtés, il faut leur mettre des bacs avec des fleurs. C'est possible, ça? Il va falloir faire gaffe parce qu'il y aura les mouettes qui vont vous faire chier. Je sais pas, est-ce que tu peux planter des fleurs? J'arrive avec. Bah oui, du coup il faudrait remettre un bac à fleurs de l'autre côté à gauche pour optimiser le truc. Bah écoute, il y en a un qui me sert pas là, qui était un bac à fleurs. Ah ouais, tu veux. Où ça? Juste là, là. Ah ça c'est un bac à fleurs? C'était un bac pour les fleurs, ouais. Et c'est pour quand il y avait la belle... Il y avait la belle fleur blanche pour la peinture, ouais, c'est ça. Mais oui, ma belle peinture. Parce que sinon on met ça, ouais. C'est pas mieux ça. Et t'as encore des graines, Peg? Il va falloir les arroser, voilà. Par contre. On est deux. Là, arroser les carrés de terre. Alors, hop, j'ai de l'eau si tu veux. C'est déjà fait. Ok. C'est bon. Ah là, elle bouge, ouais. Ah oui, on voit les abeilles qui sortent. Donc effectivement, il faut des fleurs autour. Bah, est-ce qu'on peut pas mettre un troisième carré là ici? Parce que moi, j'aurais. Bah en fait, le gros bac, on devrait le tèche et prendre des petits bacs de trois fleurs pour que ça produise quoi, plus. Il t'arrive quoi, Tommy? Hein? Il t'arrive quoi? Je vois bien pourquoi. Il pisse si dans l'escalier. En... Non mais on t'a vu, hein. On t'a tous vu. J'en mens pas. En mode coincé dans les escaliers là, c'est pas ce qui t'est arrivé. Est-ce qu'on remplacerait pas le gros bac là qui nous sert à rien? Si tu veux. Par des petits. Ouais. Fais juste après que ça a poussé, sinon on va perdre les graines. Ouais, ok, bon, on garde pour les graines.
Là, bon, il y a le healing. Donc, le Onekamb, il sert vraiment juste à heal. Ok. Et ça remplace... En fait, je comprends pas. Ah oui, ça doit être un heal plus vénère. C'est un heal avancé, ça. Il faut des œufs. Alors, tiens, vas-y, on va téter. Putain. On va téter. Bah, écoute, celle-là, elle est magique. Elle est énorme. On va téter. Uli titi. La chèvre lui manque. Voilà. Des bols, là. Ah, ça brille. Petite substance visqueuse, mais cette fois-ci... Mais elle brille. C'est un onguent, mais plus. Donc en fait, ouais, c'est le même principe, sauf que tu rajoutes le Onekamb dessus. Donc les œufs et tous les trucs, on va les mettre devant, comme d'hab. Est-ce qu'on peut abattre les ours à la hache? T'es vraiment un sauvage. Voilà, non, mais ma lance, elle s'est pétée, puis il y a un ours qui me court après. Essaye. Ah. Bon, je pense que oui. Peut-être. Tu l'avais marqué dans le chat, ça, peut-être? Non, pas du tout. Bon, bah, je vous ramène l'ours, hein. Ok. Vas-y. Il est là. Il est là. Ah oui, il est là. Il est bugué, hein. Attends. Ah, il arrive pas à monter sur le rail. Vas-y, on va s'en occuper. Voilà. Oh, vous l'avez fait tomber dans l'eau, le pauvre, il s'est noyé. Vous avez vu maltraiter le nounours. Il pourra plus chanter Ma nuit, les petits. Ah, grave. Oh, t'es triste. Pom pom pom. On n'a pas de coffre pour ça, il faudrait faire un coffre d'armurerie. D'ailleurs, on m'avait parlé l'autre fois d'un truc très intelligent qu'on n'a pas du tout fait, mais qu'on pourrait faire. C'est contre ce mur, mettre des coffres. D'ailleurs, attends, bouge pas. Je vais têche ça. Les mets où alors, vos flèches? Je vais mettre là. Parce que moi, j'ai pas d'arc, ça me sert à rien. Donc. Là, on pourrait mettre les coffres de stockage ici contre le mur. Bah, passe-moi les flèches sinon, ok. Et je les prends. Oui, parfait. Ouais, faire des coffres de stockage ici. Donc ouais, non, on a déjà réussi l'objectif pratiquement, mais je veux la chèvre. Parce que je vais remettre des stockages en haut aussi. Parce que là, ça devient nimp. Hop. Oh, on manque un peu de pierre aussi. En termes de plastique, ça va. Les planches... Bon, déjà, j'ai fait deux coffres. Je pense que les coffres, je vais les placer là-haut. Parce que là, on commençait à manquer un peu de trucs. Voilà, je vous ai rajouté des coffres là-haut, si jamais vous avez un peu des trucs en surplus. Herder, ah, j'ai eu un succès pour ça. Ok. Alors, il faut plancher corde encore. On m'avait dit que je pouvais placer les coffres contre le mur. Oh oui! Génial! Regarde! Il est passé devant Clem. Rien à foutre. Ah oui. Ouah, trop bien! Voilà. Ah, vous savez, le rangement est c'est un peu surjoué. Ouais, j'avoue. acteur sur 20. Ouah! N'empêche que c'est bien pratique. Mais non, j'étais sérieux, c'est trop bien. Ouais, voilà. Mais on me l'avait suggéré au dernier live qu'on avait fait en me disant bien, tiens, okay, ouais, voilà. Si tu veux stocker tes coffres, tu peux les caler contre le mur, effectivement. En plus, ça les réduit un petit peu de taille, donc c'est pratique. Donc là, on en a 3. En plus, ils sont pas gênés comme dans Minecraft par les blocs au-dessus. Et en haut, je vous ai rajouté 2 coffres. Donc j'ai dit, ça, c'est les coffres à bordel, armure, armes, trucs, flèches. Vous mettez votre bordel. Donc, faut juste remplir un peu de fuel parce qu'on en a pas. Voilà. Bah, justement, je suis en train d'en produire. Ok, on va repasser en marche avant. C'est long, la production. Attends, parce que là, il va tourner. Hein. Vas-y, go en marche avant. Hop, c'est bon. Impeccable ça! J'ai fait mon meilleur créneau. Un créneau coopératif, hein, évidemment. Ouais, bah en fait, les fleurs donnent pas toujours des graines à chaque fois? Bah non. Ah. Mon avis, c'est que sur les îles, mais ça me paraît bizarre. Ouais. Ah non, il faut vraiment qu'on ait de la production de miel, hein, par contre. Ah, mais voilà, mais c'est la mouette, elle nous flingue nos trucs en fait. T'es un connasse! Mettez-lui un épouvantail! Bah, j'en ai mis un éventail, à la froid. Non, chaud, justement. Ouf. Oh MVP Montage à la Call of Duty. Oh là, je te fais un MLG. Ouais, j'avoue. En plein vol.
Ouais, du coup, on essaie de trouver une grosse île, mais en même temps, si on en trouve une petite... Le problème, c'est que les petites, c'est complètement hasardeux, en fait. On sait pas quand est-ce qu'on va les trouver, quoi. Là, il y a assez de cuir et de laine pour vous faire un set d'armure et tout. Hein. J'ai déjà un backpack, là, pour quelqu'un. Vas-y, donne à Gigic. Tiens, Gigic. Tu le mets dans ton stuff, tu sais, dans ton truc d'équipement. D'accord, hop là. Avec ta truite 47, là. Tout, 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 tout. 50 arrêtes à la seconde. Pim, 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 pim. Ah, j'avoue. Un chargeur, mon vieux. Yatatatata. Le beluga cendré. Une cadence de tir exceptionnelle. Pierre, argile. Terre, brûlée. Au vent. Non, on me lance pas là-dessus, là. Non, de pierre. Il a craqué avant moi. Ça va? Ça va, vous? Salut! Comment ça va? Je suis en train de regarder le spectacle. Tu vois absolument rien. Tu peux essayer avec tes mains aussi, ça marche pareil. Ça marche mieux. Coup, coup. Il a demandé au passage, de recevoir. Si y a des pêcheurs, j'ai besoin de poissons crus. Pardonnez-nous parce que nous avons pêché. Bah ouais, mais moi aussi. Amen, mon frère. Amen, ouais, mon frère. Moi, c'est pour le gardien. Babylone, c'est Babylone. Babylone. Le retour. Bah, moi, c'est pour faire cuire. Ouais. Après, lève-toi et marche, couche-toi et dors. Allez, viens. Ah, dodo. Je te l'ai fait, Clem. T'as un lit en hauteur maintenant. Je vais me coucher derrière. Oh yes, t'es un amour. Ouais, bah j'y vais, hein, parce que... Attends, si tu commences à me dire ça pour aller te coucher, je préfère te laisser regarder la belle étoile. Il m'a vraiment mis un lit. Y'a que de l'eau à perte de vue. Ouais. D'ailleurs, le radar, on est... c'est quand qu'on arrive sur l'île? Mais, oh, j'arrive pas à monter. J'étais monté en surplace. Le radar, là. Mais que c'est du... Ah, à gauche. Ouais, on ressemble. Devant, ah bah c'est bon. Elle est où, l'île? Ah bah... Voilà. Lève les yeux. Bon, ça ouais. C'est une île à animaux, on va trouver une chèvre. Il y a Ivo et. On veut la chèvre. On veut la chèvre. Nous, on veut choper de la chèvre. Allez, on va se faire la chèvre. Les animaux. Oh, où sanglier. Un cochère. Le bonheur. La vitesse. La vitesse. Oh là. J'ai une armure, il me fait rien. Oh là bah, oh, oui. Oui, bougez, oh, bah, oui. Ils sont en train de faire du mal à Pumba. Mais où est Timon? Ouais, bah ça, on l'a tué 8 fois. Oh là. Il t'a fait un câlin. Tiens. Oh merde. Heureusement qu'il n'y a pas les tiramis, hein. Oh, le... Ne bouge pas, Gigic. Ne bouge surtout pas. C'est comme la terre, hein. Il y en a partout. Ces mots signifient. Que tu vivras ta vie. Tu vivras pas longtemps. Sans aucun souci. Moi, je vais faire. Hakuna Matata. Putain, je tire un mal. Un coup de rein dans Tata. Quelle phrase magnifique. Oh. En fait, c'est simple. Quand il quoi commence à prendre son élan, lui. Merde. Il est parti. Il fait une sortie de piste. J'ai l'impression de faire Interville. C'est bon, il est mort. Oh, le coup rire. Mourir. T'en peux plus. Mais t'imagines, là, je suis encore calme. T'as pas eu le rire ultrason encore? Ah, le rire dérapage, il est énorme. Il l'a fait tout à l'heure. Ah ouais. Alors, il est pas tout à fait endormi, hein, le. Je sais pas faire le rire dérapage. Moi non plus. J'ai jamais appris. c'est impossible à faire pour moi. Ça me fait mal, hein. Si je fais ça, mes poumons sortent de mon corps, en fait. Oui, ça me fait trop mal. Ah, ouais, j'ai chopé moi, des graines. Comme Gigic, hein, ça le fait naturellement. Ah, y a plein de fleurs ici, hein, si jamais pour les graines. Oh putain, une chèvre! Non, c'est pas celle-là. Où ça? Il ment. Non, je te jure. Allez, go, go, okay, go. Il dit vrai. Sur la tête du KFC. Ok, alors, il dit vrai, il dit vrai, il dit vrai. Sur la tête du Manu. Viens ici. Connasse, viens là. Putain, dépêchez-vous, vous allez la louper. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Où la chèvre? Bah, elle est là, là où je suis. Mais c'est oui, mais t'es où? Bah, je sais pas, sur l'île. Sur le bateau, à gauche ou à droite? Putain, il y a le vautour qui nous a pris en chasse. Rien, moi, je me suis promené, je sais plus. Indique tes coordonnées. Je suis en train de ASV. Lui courir après, cette connasse, mais elle court vite. Attends, mais arrête, il faut qu'elle s'arrête de bouger pour qu'on la capture. Garde-la en visu. Bah, le problème, c'est que. Ah, c'est bon, elle est là. Elle m'échappe. Ouais, mais t'inquiète, c'est normal. En fait, il faut rester à distance à chaque fois et utiliser le. Ah oui, elle est là. C'est bon. Je l'ai. C'est la chieuse.
Attendez, bougez plus. La chieuvre. C'est la chieuvre. Ça, je vous l'avais dit. C'est le bouquetin. Prends ton épuisette. Putain, cours. Et reviens. Prends ton épuisette. Qu'est-ce qui est fort? Tu l'utilisais pas dans tes anciennes présentations de mode? Si, totalement. C'est une des musiques de YouTube. 3, 2, 1. Et là. Et hop. Yes. I'm the winner. Yeah. Il y a de la terre ici. On va te bouffer ce soir. Non, la bouffe pas les croupelles. De toute façon, c'est moi qui cuisine, alors c'est mort. C'est mort. Je te file du poiscaille, y a pas de problème. La cuisine, c'est Gigi. Et Schmitt. Schmitt. Elle est pas trop en plastique, quoi. Elle bouge un peu. Hein. Un peu paniquée, hein. Elle a les yeux un peu... Ouais, mais elle est trop belle. Les yeux révulsés, ouais. C'est tout bon. Ça fait peut-être... Je sais pas c'est quoi le nom, c'est pas vraiment une chèvre. C'est une chèvre de Disney, hein. C'est quoi, c'est un... Un mouflon. Mouflon, ouais. On l'a enfin, putain. On est allé où? Faut descendre. Ouais, mais je me rappelais plus où on était, c'est pour ça. Comme elle bouge. Ouais, c'est bon, ça y est, t'as trouvé. C'est quelle touche pour se mettre à la troisième personne? C'est virgule. De base. Oui. Par contre, va falloir qu'on mette des carrés de terre en plus. Hein. C'est trop, là. Faut agrandir. Ah, faut lui donner un nom aussi. Ouais. Kronk. C'est vrai qu'il y en a un autre, toi. Putain, on a trop de monde, là. Vas-y, on a un champ. Bah, KFC, c'est plutôt pour le poulet. En plus, je crois qu'on peut la on peut la tondre aussi, elle. Ah non. On peut bûcher la chèvre. On fait des trous dedans. Ah non. Gisèle, la chèvre. On nous propose. Ah, je valide Kronk, plus je regarde. La chèvre. Kronk, c'est bien. On a déjà Michel, alors. Non, mais Kronk, c'est bien. On a Michel, bien, ça. On a Jackie. Kronk, on a deux pas la poser. Oh putain. Oh, la tête du lama sur ma gueule. Oh, j'étais choqué. Oh putain, là, j'étais un peu choqué. Oh, j'étais choqué, alors il est passé à la cam en mode. Salut. Eh, hey. Hey. Salut. Je veux mon moment de gloire. Ah là, bah, elle est bon. Moi aussi, je veux mon moment de gloire. Ah, je peux pas la couper, elle. Par contre, j'ai un seau. Donc, on va pouvoir finaliser ça parce qu'il y a une recette, je crois, avec du lait de chèvre. Ou pas. Seau de lait. Ah ouais, j'ai un seau de lait. C'est pour quelle recette, ça? Ah, c'est pour moi. C'est ma dernière recette. Ah, tiens. Avec un œuf et deux... C'est pour faire un ragoût de poisson. Tiens. Paf. Ah, nickel. Comme ça, on aura fait tous les crafts. Donc, tous. Il faut les œufs. Ils sont où, les œufs? Là, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on a absolument tout fait. Ah, il manque un dernier truc. Oui. Ah, qui c'est qui m'a pris les œufs? Parce que, on veut le 100%, là. On veut le 100% de pourcent. Donc, il nous reste un truc qu'on n'a pas fait. Il me faut un œuf. Ouais, on en a. Ici, un normalement. Neuf. Là, j'en ai 5, tiens. Attends, on va voir le rituel de la recette, là. Tiens, je te l'ai mis là. Je te l'ai mis sur le plan de travail. C'est bon. Il est posé. Okay. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, montre. Et il me faut, du coup, en poisson. Tu veux qu'on pêche? Et... Celui-là... Non, je les ai, les poissons, t'inquiète. C'est l'ampoule, ouais. Il faut qu'on aille chercher l'ampoule. Hop. Elle est où? Et hop. Et ah, voilà, bien, vous, là, tout à fait. Nous allons pouvoir faire, enfin, la dernière recette. On va voir ce que ça va donner. Ça y est, bon, ok. Trouver de l'argile, trouver du fer ici, et ensuite, on refera... Il faudra remettre les coordonnées, et il faut remettre les coordonnées de l'île aux ours, et d'ailleurs... Possiblement, ils ont peut-être généré des abeilles, donc au pire, on pourra peut-être faire plusieurs ruches. Donc, on remet la coordonnée de l'île aux ours, Clem, et on va trouver cette ampoule qui est située sur l'île, normalement, dans un endroit où il y a plein d'épouvantails, et il y a une ampoule cachée. Et ce sera le... C'est vraiment le dernier truc qu'on n'a pas fait, et après, on a tout. D'accord. Moi, je suis en train de récupérer des fleurs, là. Ouais, bah, j'en ai aussi, j'ai un peu de graines, donc je vais essayer de voir si je peux en retrouver d'autres. Ah, le seau a fondu dans la marmite, tout va bien, c'est une recette maîtrisée, hein, les gens, ils ont dit. Ouais, le seau de lait, tu le sacrifies. À base d'acide. Tu sais, genre, ils te alors, rendent pas le... celui qui veut goûter le fameux plat avec le seau. Vas-y. Putain, c'est riche en fer. C'est celui avec l'espèce de queue de poisson qui ressemble à un papillon. Quoi? Attends, je peux voir? Quoi? Je vois pas. Ah, c'est ça. C'est le ragoût de poisson, c'est ça? C'est le ragoût de poisson, mais il faut pas confondre. Il y en a un avec une
Ah, si vous fermez, je vais vous dire, parce que là, je ne sais plus. C'est les deux poissons qui dépassent? Les deux têtes de poisson? S'il y en a un avec une tête alors, de poisson. Attends. C'est pas celui que tu as en trois, dans trois cases, c'est celui que tu as en deux fois dans une même case. Oui, bah c'est ce, okay, celui ouais. où il y a deux têtes de poisson. En fait, c'est pas une tête de poisson voilà, papillon, c'est deux poissons. J'en prends un. Non. J'aurais bien aimé voir la truc d'abeille pleine. Ah putain. Là, j'ai que ça en graines gigiques. En fait, c'est chiant parce que. La mouette vient. Sur ton trou. Sûrement. Ah. La mouette vient sur ton trou. Allô non, les gars, j'entendais, ça captait pas. oubliez pas de prendre de la caillasse aussi. Et n'oubliez pas les paroles aussi. C'est pas mal hein. Ouais. Ça, il va toutes j'aime nous bien. Les faire. Il va toutes nous il les faire. Il est beaucoup trop chaud. Je mets un petit plus parce chaudière. Que c'est pas mal. Argile aussi. Cette chaudière se clème. Et pour la grotte, la fameuse grotte, du coup, je ne sais pas. Oh! Ça s'appelle du rappel. Je fais ça avec mes orteils. Ça, quand on ça a été élevé à la montagne, généralement, chute. Avec la corne, il n'y a pas de problème. Voilà. Il suffit, oh, d'avoir, il suffit d'avoir les orteils musclés. Hein, et voilà. J'ai serré les fesses. C'était la piste noire. Et là, c'était la grosse piste noire là, que j'ai descendue. Ah, tu l'arrêtes maintenant? Ouais, il reste encore ceux de Tommy. Bah non, il les a arrêtés justement. Non, les deux ils marchent là. J'arrête. Ouais, bon, c'est bien là. Hein. Parce qu'on a touché on la est terre. Bien là. Oui, parce qu'après tu vas te coincer. Ouais, le truc passe plus hein, de toute façon. Et il a touché la terre là. Ouais, bah c'est nickel, c'est ce qu'il fallait. On a occupé la région. Bon, de retour sur cette bonne vieille île. On a ruché pleine d'ailleurs. C'est un nom de code ou... Non. La ruche est pleine, les gars. Non, je t'ai plus, la ruche est pleine. Alors. Eh, mais j'ai trouvé une nouvelle recette. Ah ouais? Ouais, délice de poisson-chat, on n'avait pas ça. Où ça? Délice de poisson-chat, non, j'ai pas. Ah ouais? Bah non, j'avais trouvé dans la cabane avec la tête d'ampoule. Ah bah, vas-y. Place-le à droite. Et c'est accroché. Nice. Et enfin, les champignons. Ah, donc les champignons ont vraiment une utilité, c'est pour la soupe? Ouais. De toute façon, les champignons, c'est dégueulasse. Arrêtez d'en manger, c'est pas bon. Arrête, c'est trop j'ai bon. J'ai plus de canne à pêche et j'ai plus de chat. Mais... Le mec, ça pousse sous les pieds des gens qui se lavent pas. Oui, mais sauf que c'est pas les mêmes que tu trouves en forêt sous un pin, quoi. Putain. Sous les pieds des gens qui se lavent pas. C'est le mec. Il a qu'à causer aussi. Il l'a sûrement dit juste après avoir mis le poisson dedans, mais... mais il est donc, cassé, pec, je crois. Elle se trouve ici. Ok. Il dit que quand il y a une note ici. Ah, il y a une note ici. Egg, t'es cassé ou t'es réparé? Il dit qu'il va avoir une voix de robot aussi. Ah, mais il y a plein de notes. Bah, personnellement, j'ai toujours trouvé que t'avais la même voix que Google Home. Donc... Et. Là, à gauche. À gauche. Ah, oui, voilà. Merci la vidéo, merci Dinark. Parce que c'est pas. Enfin, à trouver là-dedans, c'est un peu chiant. Quand ça, même. C'est glauque de ouf. Hein. Ah, vous avez trouvé? J'ai chopé l'ampoule. Ouais. On sait pas si ah, j'ai trouvé. Que vous elle était où l'ampoule? Attends, il y a une note. J'ai ici. Pas l'ampoule encore. Et il y a plein de notes qu'on a récupérées. Il y a plein de notes. Ah ouais. Non, mais what the fuck? On dirait un rite satanique. Oh, j'ai pris quoi? Little Murderer. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Attends. Elle est où l'ampoule? Je sais pas. Bonne nuit à tous ceux qui nous quittent. Regardez dans les objets. C'est l'histoire de Balboa. Vous avez en quête là. Appuie sur T. Ah oui, on l'a l'ampoule. Ouais, on l'a. À la fin du jeu, je vois pas l'intérêt de continuer. Ah bah c'est quand on dit fin de faire du jeu. Si. Parce que la prochaine update, on y retourne. Hein. À chaque fois qu'il y aura des updates, on y retournera. C'est mignon de te voir courir, Darky, quand même. Ouais, je sais, vous avez tous cette vision. Alors attention. 3, 2, 1. Fixe et roll. Yes, impeccable. YOLO, on a eu un succès. Ah putain, c'était que ça. Attends, il se passe rien. Déçu. Il se passe rien. Il y a même pas de lumière. T'as pas un bouton pour allumer quelque chose? Pas un bouton pour allumer. Ouais, vérifie à l'intérieur. Il y a un générateur avec 1200 volts. Peut-être que quand il fait nuit, il s'allume.
Ouais, mais les générateurs. Et donc j'ai mis la dernière recette, moi je vais en goûter une. La retête de poisson-chat. Oh mon dieu, t'as un poisson-chat dans ton assiette. Impressionnant. Ouais, c'est pour ça que c'était un peu inutile, mais bon, on l'a fait parce que bah c'était en fait, on n'avait plus rien d'autre à faire, donc. Pour se laisser les derniers objectifs qu'on avait, bah c'était ça. Oh la déception, ça ne nourrit pas énorme, hein. Ouais. Bah, c'est pour ça que ça valait le coup que Dinark nous envoie la vidéo. Ça nous aura évité de chercher pour rien, pour avoir juste ça. Pour être déçu. Pour être déçu, c'est ça. Bon, et ben on va faire la fin pour. On est 14 000. Hein ? Oh, je t'aime. En comptant les yeux de la rue. Quelle passion ! Il se jette à bras le corps. Allez, tape de la cuisine tout de suite. Ça y est, c'est terminé officiellement pour cet update. En tout cas, on a fini 100% de tout ce qu'il y avait peu proposé. Alors peut-être qu'il y a des petits secrets encore qu'on n'a pas vu sur certaines îles, comme réparer une ampoule pour un autre truc, j'en sais rien, mais je pense qu'on a accompli en tout cas une énorme majorité de tout ce qu'il pouvait y avoir, la ruche aussi. Donc on attend la prochaine fois avec Caravan Palace. Palace, n'importe quoi, ça y est, j'aime bien ce groupe, hein, Electro Swing, c'est très bien. Caravan Island, du coup, ou Caravan Town, qui devrait arriver, donc, du coup, pour la prochaine update. Donc, pour l'instant, la série, effectivement, se met en pause, et puis, dès qu'on a, eh bien, une nouvelle update, eh bien, on y retournera. Merci aux gens, en tout cas, qui ont suivi, n'oubliez pas que vous avez Utip, vous avez tous les liens dans la description, les lives tous les soirs à 21h, 22h, vous avez, il y a une journée de repos à chaque fois, donc, il faut regarder sur les plannings, hein, ils sont partout, maintenant. Plein de bisous, ciao à tous, merci à toute la team, merci à Peck pour votre présence à chaque fois, c'est toujours très sympathique, et à de prochaine, les amis. Au revoir. Bye. Ciao, bye bye. Ciao.